13h09, j'ouvre ce vlog, je vous explique. 13h09, réveillé à 6h du mat, ça pique un peu la tête. Si vous avez fait mon vlog d'hier, en plus ce soir j'enchaîne. Bref, Eric est allé chercher. Faut que j'arrête avec bref, quand je déroge, je me rends compte que c'est chiant. Des sandwichs et qu'est-ce que c'est? Ah, des boissons, bien. Et cet après-midi, on avait pour projet de ranger. Pas gagné. Ça a l'air trop. Bon, j'ose pas le toucher. Tu sais à quoi il est celui-là, là, le cookie and je sais pas quoi, là. On dirait du thon. Et ça, c'est quoi? Tu sais pas non plus. T'as pris? Tu sais pas. Bravo. Oui. Eh ben, c'est bien. Je te félicite. Oh, t'es chiant. Je m'étais allongée, là, dans la pièce où il fait frais. J'essaye désespérément de faire la sieste. Regardez ce qu'il fait. Qu'il escalade tout ça pour choper la branche. Je vais être fraîche ce soir. J'ai mal au crâne. Tu descends. Allez. Allez. Me voici de face, à peu près potable. Compliqué, très compliqué. J'ai pas dormi, pas du tout dormi. On a fait le tri, je vous montrerai ça demain. Quoi d'autre? Et ben aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais je devais pas être là. Je devais être à Tours dès le matin. Finalement, c'est pas mal, ça a été annulé, un rendez-vous. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'un de mes appareils photo qui est vendu. Il restera un objectif et un autre appareil photo. Sinon, bah là, on va aller acheter une petite bouteille, je pense, en centre, enfin, un petit truc pour ne pas arriver les mains vides. Et je crois que c'est pas mal. Ma tenue, la robe, la jupe longue avec le t-shirt, je suis bien dedans. Bon, le petit stop, on a pris une bouteille de champagne et des petites conneries comme ça. On vient d'arriver. Non, ah oui, j'arrive plus à parler. Chez Marie-Jo, regardez-moi le goût. En matière de déco, s'il vous plaît. C'est juste magnifique. Oh, tout est en harmonie. Ce petit coin avec les photos, c'est... Ça fait super joli, hein, avec le bleu ou je sais jamais canard. Regardez ça, cette pièce. C'est super beau. J'adore. Mais je l'aime bien, moi, cette jupe. Je la trouve jolie. Je la trouve quand même très jolie. Voilà, donc on est quand même sur un très 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 chouette endroit. Bon, par contre, ça va être compliqué, mais je vais quand même boire un petit apéro. Ou deux, je ne sais pas. Marie-Jo, tu peux remettre ta musique, hein, si tu veux. Il y a des invités. Enfin, oh là, mais je vous dis, je n'arrive pas à parler. Ils vont pas tarder à arriver aussi. Ah oui, il n'y a pas que nous. Soirée hier, mais tu sais, improvisé, tu sais, la soirée, tu t'y attends pas. Quand on s'est recroisé, je me suis dit, bah, ils redescendent, ils vont boire un verre. Quoi. Non, vous l'allez manger au resto. D'accord. Ah, j'adore. Ah, mais là, on n'était pas encore parti pour le resto, c'est même pas le resto, là. Du coup, quel. Ah là là, faut que tu regardes mon vlog, c'est un grand moment. C'est, on a tout fait. Tu peux, je raconte. On a tout, si, raconte, vas-y, si tu veux. C'est mieux que le vlog, oui, quand je raconte. Si, parce que je fais appel à l'imagination des gens. C'est vrai. Toujours mieux. Donc, nous étions dans le jardin, et nous avons décidé d'aller au jardin. Qu'est-ce que c'est, ça? Dans des, tu sais, de la patate... Du magret avec de la poire. Du coup, j'arrive à vélo. J'adore ce mec. La réussite intellectuelle. Oh là là. Jeffrey, il s'appelle. Ouais. Le photographe, là. Et c'est impressionnant. Il a des photographies pour le char. Moi, je suis... Oh, la beauté. Il part dans plein de pays et celui-là c'est un élève qui fait que ah ouais on est tout sous le charme de l'été. Ah ouais, carrément. Je l'avais dit, j'adore comment la pastèque. On se retrouve le lendemain matin. Excellente soirée. J'ai très peu, hein, vous l'aurez vu vloguer, forcément, quand il y a du monde, c'est pas évident. Mais vous avez pu vous rendre compte quand même des petites choses. Qu'est-ce que c'était bon. Deux jours de suite à faire entre guillemets la fête. Ça commence à piquer. Très honnêtement, on va faire un petit break, même si on a d'autres invitations de prévues les jours prochains. Je suis dans ma chambre pour avancer sur le projet, hein, parce que rappelez-vous, demain matin, c'est chez But à 10h pour les soldes et puis la penderie et tous les autres éléments. J'ai fait du tri, mais je pense que je vais vous montrer, le mieux ce serait de vous montrer au fur et à mesure toute cette petite évolution. Ne prenez pas peur. Tout ça a été déblayé. Ça sera que mon coin. Ici, pareil, le tri n'est pas terminé. Là, c'était... Il y avait
tellement de choses, beaucoup, beaucoup de pochettes, de sacs, vu que ça sera un dressing. Pareil, ne prenez pas peur. Là, c'est des choses à Eric, il va falloir qu'il montre, qu'il me dise ce qu'il garde, ce qu'il ne garde pas. Il y aura un coin pochette, sac, ça peut être cool. Et là, je vais commencer à faire la coiffeuse que je vais déblayer. Celle-ci, je vais la garder. Elle sera peut-être pas. Peut-être que je vais la donner, mais en tout cas, je ne vais pas m'en séparer. Elle reste très chouette. Elle est bloquée ? Des bloquettes ? Bah voilà. Vous avez vu, en plus, il attend que je filme pour faire le show. Tu me jettes, oui, mon soupinette. On va goûter, j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter, moi. Il me stresse, regardez, hop. C'est beau. On a enlevé le meuble, déjà. Et je sais plus si je vous l'ai dit, du coup. C'est que demain, à 10h, on va chercher la penderie. Mais on n'aura pas fini, hein. Il y a tout à faire. Pas de motivation, là. J'ai demandé, c'était le challenge à Eric. 14 juillet, nous sommes. D'aller chercher un petit goûter. Il a trouvé ça. J'ai l'impression que c'est ça, là, une tête meringuée. Des sandwichs. Pour ce soir, peut-être. Et cookies, c'est ça ? Très bien. Non, cookies, un sablé au chocolat. Merci. Petit goûter, c'était super bon. Ah oui, au fait, vous avez été beaucoup quand je vous ai montré la vidéo où je vous expliquais que je voulais une protection pour la coiffeuse. Et vous avez, enfin pour beaucoup, c'était... Je suis crevée, hein, je suis désolée, j'ai une petite tête, mais j'accuse le coup, petit aparté. À me dire, oui, c'est moche, ça gâche la beauté de la coiffeuse, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je voulais un truc transparent. Et vous me disiez, mais Caro, pourquoi tu veux mettre un truc par-dessus ? Tout simplement parce que je sais très bien, parce que c'est une coiffeuse certes, mais moi je me maquille, je fais pas que me coiffer, je fais pourquoi le truc est comme ça. Et dès l'instant où tu te maquilles, notamment, je sais pas, moi tu te mets de l'ombre à paupières, il y a des particules fines, ça fait du dépôt, ça tombe, tu mets du fond de teint, t'en as sur les doigts, tu poses tes doigts, je sais, j'ai l'habitude, et sur le blanc ça pardonne pas, à force de le nettoyer, ça va s'allumer, c'est pour ça que je veux cette petite protection. Et là je viens de faire un test. Je pense que ça peut être pas mal. Évidemment, hein, je vais couper, mais je pense que ça pourra peut-être le faire. C'est à contre-jour. Si j'étends bien la chose, hop, ça, je pense que franchement, ça fera bien. Attendez, parce que hop, j'enlèverai tout ce qui est grumeaux. Je coupe, tac, 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 tac. En plus, il y aura le miroir par-dessus. Ça va le faire. Et dès que c'est un peu trop sale, tu nettoies et après tu l'enlèves. Comme je vous dis, 1 €. 1 € le film plastique, donc ça va. Hein. Voilà, film plastique posé, franchement. Alors oui, il y a un petit peu des moments où il y a des plis, mais tu le sais pas, tu le vois pas trop. Et ça protège. Je vous montre si vous ne me croyez pas. Là, c'est un petit coup de ciseau. Bon, je refais pas parce que ça prend du temps. Mais pas bah, parfait. Parfait. Ça avance bien, je vous montre. J'ai tout mis là, hein. Rien n'est rangé, comme je vous ai dit. Il faudrait que ça aille là, ça va dégager. Ça, je trouve ça super mignon. Rien que là, j'aime beaucoup. Demain matin, je me prépare ici. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tous les cosmétiques étaient là-haut avec la chaleur. On sait que les cosmétiques n'aiment pas la chaleur. Et j'ai des produits qui ont viré. Je me suis rendu compte. J'avais essayé un auto-bronzant, il n'a pas aimé du tout. Un fond de teint, pareil. Donc bah, ça va être pas mal de descendre d'un étage, parce que quand tu descends d'un étage, très clairement, tu descends des fois de 5 degrés, donc c'est pas rien. Hop, je m'étais posée pour m'avancer. Je crois que j'entends, il y a de l'orage. Il y a de l'orage ? J'ai cru entendre. Qu'est-ce que t'as ? T'as déjà mangé ? Bon, soyez indulgents. C'est loin d'être fini, je suis déçue, je pensais avoir beaucoup plus avancé. Tout ça, c'est ce qui va... Alors, des choses vont être en vente sur Vinted, d'autres que je vais donner. Enfin, voilà, tout ça, ça part. Ça, bah, c'est ce que je jette. Ici, bah, ce que je vous montrais tout à l'heure, ça n'a pas vraiment évolué. Cette partie-ci, j'ai déblayé derrière, j'ai mis tout ce qui est trousse, pochette, dans ça en attendant. Ici, bah, c'est tous mes bouquins. Mes bouquins du moment. Si avec moi, franchement, je repeindrais tout en blanc. Et en plus, regardez, j'ai enlevé, il y avait des petits autocollants que j'avais mis. J'ai abîmé tout le mur. Je pense que ça va me motiver pour tout repeindre. Et voilà pourquoi je suis pas très contente. J'ai l'impression que, voilà, on n'a rien fait. C'est pas grave, c'est pas grave. On est en vacances, on va prendre le temps qu'il faut. Mine de rien, pour un lendemain
De fait, fatiguée sur l'ambre 2 jours, je trouve que je m'en sors pas mal. J'aurais pu aussi très bien rester au lit ou regarder une série toute la journée. Je suis pas trop comme ça. Et donc voilà, les choses ont été faites quand même. Ce soir, bah, je vous ai dit, je sais pas pourquoi il a pris des sandwichs. Je pensais que c'était plutôt pour demain midi, mais bon, on va faire des. Ah oui, puis chez mon ami aussi qui m'a déposé plein, Marie-Jo, plein de bouffe, mais super bouffe. Génial. Si tu regardes le vlog encore, merci, on va se régaler. Et ouais, donc bah, il est 7h30. Est-ce que vous voyez un petit changement? Ça avance, hein? Et il a même mis un petit LED. Ah ouais, là, bon, bah, par contre. Ah tiens, chérie! Tu sais, au niveau du haut du mur, la tache noire avec le Karcher, ça marche pas? Ah, c'est que tu l'as pas fait, cool. Ah, t'as retiré aussi le. D'accord. Bon, bah, ça avance bien. Alors, ce soir, au menu, ça va être un petit peu un brunch. Regardez, c'est Marie-Jo qui m'a donné tout ça. Oh, du thon germont fumé tranché. On va se faire une petite régalade, s'il vous plaît. Rillettes de thon, guacamole. Les blinis, je vais faire chauffer. Le bruit que vous entendez, c'est l'aspi qui est en train d'être passé en haut et des petits bouts de melon. On mange un peu chacun dans ce qu'il veut. Et en fait, ce qu'il a pris, c'est pas vraiment des sandwichs, c'est des tartines chaudes. Tu fais les chauffer et je vais faire comme des petits bouts et je vous dis, ça va faire un brunch. C'est trop bien. Et il y a des saveurs. Il me connaît, mon chèvre. Qu'en penses-tu, mon pilou-pilou? Ça va être bon. Ah bah si. Ça, faut que je les installe pareil au four. Il est quelle heure? Il est 23h à peu près. Attends. Et il a testé bah, l'éclairage là, je vous ai dit. Attends. Ouais, mais attends, mais c'est le bazar le problème. Oh, il est 23h, on vient de regarder une série. Et je vous ai expliqué là, hop, qu'il avait installé un truc. Vas-y, mets ton truc, ton projo là. Ouais. Non, ce sera bien pour le soir, j'avoue. Tout bien rangé, ça pourra donner quelque chose de bien. Voilà, à peu près ici. Bon. Ouais, pour la lumière, c'est pas mal là. Je vous dis, je pense franchement, je sais pas demain. Je vous dis, il y aura un but, on va tout installer. Donc, très certainement, plutôt après-demain, on se retrouve. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut.